Comment on chasse en dette? Ben, bon, un morceau de bois mort comme ça. Là, on a des petits trous. On voit que ce bois, il est pourri. Et là, on tape des coups dessus. Voilà. Là, on voit les chemins, la moitié chemin dedans. Là, on voit les premiers en dette. Voilà. Bien. On a deux en dette. Cinq ans en dette. On appelle cinq ans en dette de la Vierge. La ligne est en train de transformer en transformation et c'est la ligne mais ils ont remangé. On prend une autre. C'est rigolo. La friture est assurée. Voilà que ça y ressemble aux endettes quand il a fini de transformer. Voilà que ça y ressemble quand ça y est transformé. Ben, il appelle ça bébé Jack. Mais c'est pas bébé Jack. Voilà que ça y ressemble aux endettes quand la transformation est finie. Il m'a lâché là-bas. Elle est aussi. Regarde ça. Ton maman. Ça, c'est juste en dette de chez en dette. Hein. Bonne maman. Comme là, ben, il connaît plus ça, zot. Je connais pas ça, les rois en dette, ça te nous passe tant longtemps. Longtemps, ça te nous passe tant, ça les rois en dette. Avec notre grand-père ou bien notre papa. Après le dimanche, tu vois un bon chrétien en dette. Il va y avoir ça, le week-end. Ça fait longtemps, les pitons, tu peux être vraiment obligé. Ça t'a un bon affaire, ça. Hein? Ça est bon pour la santé. Bonne protéine naturelle. Voilà. Si un jour on a perdu la forêt, on a perdu dans le bois, ben ça c'est un bon moyen de survie. Après bien sûr sur le point de sable, on peut prendre les bouts de bois les plus petits et taper. Les taper dessus, les taper par terre, les casser. Et vous pouvez avoir des endettes. Et puis ça va où la vie. Tiens, ça est belle. Comme ça. Ça, c'est super endette. Ça est bon pour la pêche en anguille, mais bon pour étudier aussi, il n'est pas mauvais. Bien chaud, mettre un petit peu de l'huile. Voilà. Voilà, de l'huile bien chaud. Je vais mettre le mousse en dette dedans. Voilà, bien chaud, bien chaud. C'est la vie, c'est du sel, c'est un petit peu poivre, je vais mettre un calamayage,
Ici, on a vu comment guette même, comment c'est qu'il y a guette. Voilà. Là, j'en ai fait. C'est un peu croustillant. Un peu les graines, j'aime bien là les gaillards. Donc on regarde bon, les bons. Les bons, ouais, il manque tant, moi. Un petit peu de rougail. Bon, les bons petits ans d'être grillés comme ça là. Avec un petit peu de rougail. Rougail zévi. Ça torche, mon nom, ça va pas mourir. Non.